Bon, maintenant, vous allez regarder l'objectif. Vous n'allez pas vous approcher. Vous faites face à l'objectif. Une grande première, vous initiez vos forces en tant qu'internationaux pour booster le basketball malien. Quelles sont vos attentes? Tout d'abord, je remercie le basketball malien. C'est une fierté pour moi d'être là ce soir, d'organiser et de regarder l'événement. Car c'est pour donner l'opportunité aux jeunes internationaux à venir avec les autres interprétés. Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser ce camp? Moi, j'ai vécu des choses ici dans les pays. J'ai eu la chance d'être en France. C'est une fierté pour moi aussi d'avoir collaboré avec une Américaine. Et ça m'a permis de faire Qu'est-ce que vous avez à dire à vos jeunes cadets qui sont en train de s'atteler à cet exercice? Dis seulement, je leur dis d'être courageux et d'être fort. Parce que c'est une sorte de celle de travailler. Si vous avez un appel particulier pour booster davantage le basketball malien, ça sera lequel? Bon, justement, on a besoin d'un soutien toujours. Parce que le basketball de l'autre au Mali, ça fait beaucoup plus. Ceux qui peinent juste à faire, ceux qui ne croient pas que le basketball peut mener son nombre, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Comme je viens de dire, c'est le travail fait. En devant justement, si tu travailles chaque jour, quand même, tu auras la récompense à eux. Une première du genre, est-ce qu'il faudra s'attendre à ce que ce que vous venez d'initier soit pérenne? Bon, je pense que ça n'est pas pressé du résultat parce que dans les jours à venir, ça va venir. Ça ne sais pas aujourd'hui que j'ai eu l'initiative de faire ça parce que j'avais ça depuis des années. Bon, je n'avais pas pu avoir des personnes qui pourraient m'aider à réaliser ce projet. Mais avec le temps, j'espère bien que ça va. Je vous remercie. Merci. D'abord